et bienvenue à tous. Merci d'être devant votre télévision régionale. C'est au tour de midi qui commence. Votre télé vous apporte aujourd'hui un peu d'inspiration métisse, celle d'un artiste périgourdin qui a donné ce titre à son nouvel album. Kadamé est le témoin de cette émission qui s'ouvre par à Périgueux, un regard où il vit maintenant depuis 20 ans. Mais sa vraie passion, qui l'a amené des rues au petit conservatoire de Mireille en passant par les scènes locales, c'est la chanson pour raconter des choses qui lui sont chères, à lui le métis. Son album est d'inspiration métisse, il vous permet à vous et à nous de danser aujourd'hui. Voici un extrait de cet album, nous écoutons Go Home Mulatto. Your blood is not from here. Tire-toi de là. Go home, mulatto. Your blood is not from here. Go home, mulatto. Your blood is not from here. Cette chanson est extraite de l'album que vous découvrez actuellement, Inspiration Métis. Kadamé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre troisième album. Oui. Et il y a 8 ans qui séparent le troisième du second. Que s'est-il passé pendant 8 ans? Est-ce que vous avez arrêté de chanter? Absolument pas. Il y a eu un grand silence, disons, au niveau des médias. Beaucoup d'artistes choisissent parfois leur carrière au détriment, disons, de leur vie familiale. Moi, j'ai plutôt opté pour ma vie familiale, mais j'ai continué à composer et à préparer mon retour. Alors, vous voulez toujours faire exister, ça a été valable dans vos deux précédents albums, votre culture métisse. Est-ce qu'elle est aujourd'hui aussi présente dans votre vie? Elle est absolument présente, elle fait partie intégrante de ma vie, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas renier ses origines. Or, j'ai une origine mixte, métisse, d'un père gascon, comme je le dis, papa du pays de la vigne, et d'une mère sango, des piroguiers sango. Et quelque part, bien sûr, j'avais tendance à perdre ces origines
africaine, parce que je vis depuis très longtemps en Occident. Et à travers la chanson, à travers les écritures, je voudrais absolument affirmer et retrouver ses sources, ses racines. Jean-Michel ? Non, je voulais demander à Kadamé, vous avez une voix qui ressemble un peu à celle de Barry White. Vous avez déjà interprété de ses chansons ? Dieu du ciel, je vais paraître tout à fait ignorant, mais je n'ai jamais chanté de chansons de Barry White. Je ne sais même pas si ça me dit vraiment quelque chose. Je suis désolé. Grand chanteur. Je suis désolé. Grand chanteur. Vous, c'est plutôt Paul Anka ? C'est plutôt une époque que j'ai démarré quand j'étais gamin. J'écoutais Diana, You Are My Destiny, Les filles de Paris sont les plus jolies du monde, des choses comme ça. Et puis bon, ben, surtout les chansons des 60s. Et ensuite, Harry Belafonte. Et oui, qui est votre héros. Hein. Oui, Harry Belafonte, j'en étais pratiquement amoureux. Hein. Dites-moi, Kadamé, oui. Ce qui est frappant quand on écoute ce disque, c'est qu'il y a, j'imagine, des mots et expressions sango, il y a du français, oui. Et puis il y a aussi de l'espagnol. Pourquoi ce goût du mélange des langues ? Ben, je regrette de ne pas parler plusieurs langues. Je n'en connais que, disons, en Occident, j'en connais trois, l'anglais, l'espagnol, le français, ce qu'on nous apprend au lycée. Je parlais sango quand j'étais petit avec ma mère, puis après j'ai parlé pidgin quand j'étais au Cameroun, j'ai parlé Douala quand j'étais à Douala, et Wondo quand j'étais à Yaoundé. Le dialecte africain est très riche, ce qui fait que finalement j'ai tout oublié, j'ai gardé comme ça quelques mots qui me reviennent. Voilà, ben on peut revenir comme ça sur ces voyages africains. Avec une question qui concerne la world music, on va vous demander quel est le nom du chanteur blanc qui a chanté, qui a fait connaître la musique Zoulou en Occident. Voilà, c'est un Quel chanteur... C'est... Oui, mais non, il ne donne pas la réponse. Ce sont donc à la musique. C'est un disque que vous avez autoproduit. Autoproduit, ce serait peut-être un peu prétentieux parce que je n'ai pas les moyens, mais j'ai beaucoup de copains, disons. J'ai de bons amis. Ce disque-là, est-ce que vous, on le trouve partout ? Est-ce qu'on le trouve, on ne le trouve pas partout. Ce n'est pas encore un disque qui est distribué. Il est en quelque sorte inédit. Je n'ai pas de grosse maison de production. Mm-hmm. Et je me débrouille pour le moment seul, mais cool, tranquille, sans m'énerver. On parle beaucoup de la world music. Est-ce que vous pouvez donner votre définition et est-ce que vous vous en inspirez pour écrire, pour composer ? Je ne peux pas dire que je m'inspire de la musique que j'écoute et que j'entends des autres. C'est une musique qui est intérieure. Hein. Je vous l'ai dit, ça part uniquement de mes inspirations qui sont puisées dans les sources africaines, dans mes origines, dans mon enfance et dans tout ce qui m'environne, dans tout ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé Léo Ferré, j'ai aimé Jacques Brel, j'ai aimé Aznavour, j'ai aimé Beko, j'aime Nougaro. Vous acceptez toutes les influences. C'est très éclectique. Je n'aime pas forcément un chanteur, contrairement à ce que je viens de nommer. J'aime certaines chansons. Nous avons présenté aujourd'hui ce compact disque Inspiration Métis. Kadamé, il vous faudra 8 ans pour sortir un nouvel album ? Absolument pas, non. Ce coup-ci, j'ai décidé de foncer. C'est vrai.